Résumé du chapitre 9, les faiseurs de feu. Au cours de l'une de ces balades, le jeune loup gris tombe nez à nez avec des humains. Sa mère vient à son secours, mais s'arrête net lorsque l'un des humains la nomme Kish. En effet, la louve est en réalité moitié louve, moitié chienne, et elle a été élevée par des Indiens. Elle s'est échappée l'année précédente et a vécu avec des loups. Le petit loup gris est baptisé Cro-Blanc par les Indiens en raison de la blancheur de ses crocs. Et les deux animaux rejoignent le campement des hommes sous la direction de l'Indien Castor Gris. Là, Cro-Blanc se confronte aux autres chiens qui ne l'aiment pas, et particulièrement à Lip-Lip, qui devient son pire ennemi. Cro-Blanc découvre un nouveau monde et développe une fascination pour les hommes qu'il considère désormais comme des dieux faiseurs de feu.